Eh, Meta, quelle heure est-il? Il est 11h11. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles Ray-Ban Meta qui viennent tout juste d'arriver il y a quelques mois en France. Et ces nouvelles Ray-Ban Meta, ces toutes nouvelles lunettes de soleil, sont équipées à l'origine d'intelligence artificielle. Alors, attention, j'ai dû user d'un VPN pour pouvoir actuellement bénéficier de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Puisque le RGPD en Europe interdit pour l'instant Meta AI de fonctionner sur les lunettes. Ça ne devrait pas tarder en France. Pour l'instant, on doit utiliser un VPN pour les centraliser aux États-Unis ou au Canada pour les utiliser. Autre petit bémol, il faudra parler anglais. Donc un petit anglais comme le mien suffira largement. En plus, vous allez entendre mon accent, il est ultra moisi. Donc pas de problème, vous allez pouvoir vous en servir si vous le désirez en utilisant un VPN. Mais je vous conseille plutôt, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, d'attendre un petit peu. Actuellement, les lunettes parlent français, puisqu'on peut leur demander, eh Meta, envoyer un message à Hugues. Ok, Hugues sur WhatsApp. Quel est le message? Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me suivre sur YouTube. Peux-tu éventuellement m'appeler dès demain pour que l'on puisse voir ensemble comment on se rencontre pour le prochain salon? Le message pour Hugues est le suivant. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me suivre sur YouTube. Peux-tu éventuellement m'appeler dès demain pour que l'on puisse voir ensemble? Comment on se rencontre pour le prochain salon? Voulez-vous l'envoyer? Annulé. Ok, annulé. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, Meta AI pour l'instant est en partie en français. Il manque plus que l'intelligence artificielle chez nous en France, et là, ça sera le top du top, vraiment énorme. Actuellement compatible iOS Android, il faudra télécharger une application du nom de Meta View, VIEW, Meta Meta, et vous allez pouvoir utiliser en toute accessibilité, en toute compatibilité, les lunettes de soleil via votre iPhone ou via votre smartphone sur Android. Ça, c'est déjà énorme. La partie française permet d'envoyer des messages, d'avoir les notifications en français, de lire la musique. Par exemple, vous pouvez jumeler votre compte Apple, vous pouvez jumeler votre compte Amazon Music, Spotify. Donc, vous allez pouvoir écouter vos meilleurs livres audio directement à partir de vos lunettes de soleil, comme ici. Écoutez, voilà. Ici, j'ai lancé la musique. Une petite pause sur la branche de la lunette à droite, nous lancera donc la lecture, mettra en pause. Un double tap avancera sur la musique. Un triple tap reculera sur la musique. Et si je slide du milieu vers l'avant, j'augmenterai le son. Et si je slide vers l'arrière, je diminuerai le son. Sur le dessus de la branche de la lunette, un petit bouton fait son apparition, et grâce à ce bouton, écoutez ce qui va se passer. J'ai pu prendre une photo. Mais tout en gardant l'avantage de ces Ray-Ban Meta, c'est de garder son smartphone, son iPhone au fond de son sac à dos, au fond de sa poche, et lui dire, eh Meta, prends une photo. Eh Meta, prends une vidéo. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses ici. Je vous mettrai donc la vidéo. Ici, je regarde tout autour de moi et vous allez pouvoir partager votre vue. Ici, pour arrêter la vidéo, je fais un appui sur le bouton. La caméra était couverte. Voilà. Donc, j'ai arrêté la vidéo via le petit bouton, je pourrais le dire via la commande vocale. Vous allez pouvoir partager votre vue via Messenger, via WhatsApp en appel vidéo, un peu comme on fait avec Be My Eyes. C'est une paire de lunettes vraiment qui va ouvrir le monde aux personnes aveugles et aux personnes malvoyantes, aux seniors, puisque ces lunettes, mine de rien, vous allez pouvoir les personnaliser. Si vous avez besoin de correction au niveau de vos yeux, sachez que les verres peuvent être adaptés à votre vision, à votre vue. Donc, vous allez pouvoir avoir des verres transparents, complètement adaptés à votre vue. Par contre, lorsque vous allez filmer ou lorsque vous allez prendre des photos, une petite LED va prévenir la personne en face de vous que vous êtes en train de filmer ou en train de prendre en photo. Ce qui est entièrement normal, c'est le RGPD qui veut ça. Actuellement, la réglementation de et la protection des données
est vraiment très importante au niveau de l'Europe, voire trop importante, parce qu'on nous bassine avec OpenAI, on nous bassine avec Gemini, on nous bassine avec Claude 3, etc. Mais on arrête Meta, alors qu'il y a une intelligence artificielle prête à aider tout un tas de personnes en situation de handicap visuel. Et pour l'instant, cette version n'est pas encore en français, puisque, en fait, l'Union européenne stipule que ils n'ont pas assez de garanties que Meta ne protège pas assez nos données. Il faut savoir que Meta est un projet qui est en fait open source, donc c'est vrai que toutes les photos que vous prenez, toutes les vidéos que vous allez prendre, c'est direction Facebook, ça veut dire c'est direction donner à manger un maximum à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse être le plus costaud possible. Donc, pour utiliser l'intelligence artificielle, il faut gruger, il faut en fait utiliser un VPN, et c'est assez simple à mettre en place, bien sûr, il faudra un minimum parler en anglais, mais des petites phrases style « what you see », des petites phrases un peu comme ça, qui sont pas très compliquées. Voilà, vous venez d'entendre une notification qui vient d'arriver dans la paire de lunettes. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir ici, si je lance, regardez, mon voice-over, vous allez l'entendre directement dans mes lunettes. Voilà, donc là, donc vous avez en plus, lorsque vous avez vos lunettes et vous avez un voice-over, tout reste en secret, et d'autant plus que le son, si vous faites l'acquisition de ce genre de lunettes, les Ray-Ban Meta, le son est magnifique. Vous allez voir, après, on va numériser des documents, on va se faire résumer des documents, on va aller dans la nature, et vous allez voir, c'est impressionnant, le descriptif des images, on pourra, attention, vous allez voir dans le reste de la vidéo, faire parler en français l'intelligence artificielle. Je suis le premier aveugle, le premier malvoyant actuellement en France à les tester et à les avoir francisés grâce à un VPN. Donc je pense que ça mérite un maximum de pouces. Vous êtes sur la chaîne Vision Hightech, l'accessibilité pour tous, c'est sur Vision Hightech. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum, car ici, l'avenir, c'est les Meta de chez Ray-Ban avec leur intelligence artificielle qui va arriver. Donc, je compte sur vous pour partager, pour mettre un maximum de pouces en l'air, pour encourager cette vidéo. C'est vraiment très important. Je fais un petit concours juste avant cette vidéo. Je vous ai mis en place un petit concours pour gagner les petits micros que je suis en train d'utiliser dans cette vidéo, des petits micros Maono. Donc, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite. C'est vraiment très intéressant. Donc, une fois que vous avez vos lunettes de soleil Meta Ray-Ban, eh bien, vous êtes libre de tout et vous serez capable de poser un maximum de questions de ce qui vous entoure. Alors, lorsque vous recevez vos lunettes de soleil, vous les recevez dans cet étui qui est vraiment magnifique, en cuir. Lorsqu'on lève le petit capet, regardez ici, on a une petite LED qui est super sympathique. Derrière le boîtier, juste sous la connectique, mais juste derrière, lorsque vous allez les appairer via l'application MetaView, vous avez un petit bouton, faites un appui de 5 secondes, ça va clignoter ici en bleu, mais si vous comptez 5 secondes, même si vous ne voyez pas, vous allez voir, elles vont apparaître à partir de votre application. Il faudra donc créer un compte MetaView, une adresse mail classique, un mot de passe, comme d'habitude, vous pourrez lier votre compte Apple sans problème. Dans les lunettes, vous allez pouvoir lier votre compte Spotify, Apple Music, Amazon Music, il n'y a aucun souci là non plus. Vous allez pouvoir lier vos comptes Messenger, Instagram, WhatsApp, ça veut dire que vous allez pouvoir appeler n'importe qui en visio via vos contacts directement à partir de votre téléphone, à partir de vos lunettes, tout en gardant votre iPhone au fond de votre poche ou votre smartphone. Les lunettes ont à peu près 3 heures d'autonomie si vous usez de l'intelligence artificielle à donf, et le boîtier peut les recharger jusqu'à 3 fois 24, vous avez une journée complète entre le boîtier et les lunettes chargées une première fois. Ce qui est assez énorme, donc plusieurs jours d'utilisation, parce que vous n'allez pas garder 24 heures sur 24 vos lunettes. La lecture des livres audio est vraiment magnifique. Vous allez avoir quelques petites applications pour faire de la relaxation. Imaginez-vous, vous êtes dans la rue, vous savez pas où vous êtes, vous demandez, vous regardez un panneau, vous demandez à ce qu'il vous le lise, ça va vous le lire, vous allez voir, je vous fais le test tout à l'heure, c'est super impressionnant. D'ailleurs, on va tout de suite passer au test. Et dites-moi ce que vous pensez du design de cette paire de lunettes. Franchement, les lunettes de soleil Ray-Ban Meta, je ne les quitte pratiquement plus de la journée depuis que je les teste, ça fait maintenant à peu près 10 jours. Vraiment énormissime, super important, je vous montre l'intelligence artificielle. Attention, pour l'instant, RGPD oblige, c'est pas en Europe, ça va se passer en anglais. Attention, mon anglais est pas top, mais je peux vous dire que
mes lunettes me comprennent quand même, et c'est ça l'essentiel. Allez, merci, abonnez-vous, et c'est parti pour les tests, lecture de documents, lecture à l'extérieur, on va voir qu'on va analyser des scènes, c'est magnifique, l'accessibilité pour tous, pensez-y, Vision High-Tech, la chaîne pour tous, abonnez-vous, c'est parti. Allez les amis, on va commencer un test avec ce bouquin. Je vous le mets vraiment en gros ici sur votre écran et vous allez pouvoir vous apercevoir que Meta Eye, les lunettes de soleil connectées, sont capables de nous lire ceci en français. Tout simplement, la question en anglais c'est « What you see ?»« Qu'est-ce que tu vois ?» Elle va nous répondre en anglais et on va lui demander de nous répondre en français avec un « Give me answer, the answer in French ». Rigolez pas trop de mon anglais. Hein. Allez, c'est parti. Regardez ici. Hey Meta, what you see? I see a travel magazine with an image of the Riviera on its cover. Hey Meta, give me the answer in French. Le magazine de Tours en France présente des itinéraires de voyage avec une carte Michelin détachable. L'édition 2023 met en avant la Riviera et les Alpes-Maritimes. Le plaisir de naviguer dans la Méditerranée est inégalable, mais il faut prendre conscience de protéger cet endroit unique au monde. Les week-ends découvertes sont proposés pour découvrir Menton, Nice, Gênes et d'autres villes de la Côte d'Azur. C'est vraiment énorme les amis, je viens tout simplement de prendre la couverture de Détour et les Ray-Ban Meta m'ont tout simplement expliqué la première page. Si j'ouvre un article au hasard, par exemple ici, si j'ouvre, allez on s'en fout, j'ouvre ceci, regardez, j'ouvre cela, c'est parti, je me mets comme si j'étais en mode voyant, en mode lecture, regardez ça, hey, Meta. What you see? I see a person holding an open magazine with pictures of mountains and lakes. Meta, give me the answer in French. Le magazine présente des randonnées insolites dans les montagnes. Les photos montrent des paysages naturels avec des lacs, des rochers et de la végétation. Le texte décrit le sentier qui mène au lac glaciaire de Trécolpas à 2150 mètres d'altitude. La région est connue pour ses pins cendreaux et son patrimoine national Mercantour. Non mais c'est impressionnant, c'est énormissime. Les prochaines lunettes de soleil, quand elles seront équipées de l'intelligence artificielle en français, vont être un énorme avantage pour les personnes aveugles et malvoyantes, pour tout type de sujet. Regardez, on va changer ici. Je regarde tout simplement avec ma paire de lunettes. Et Meta, what you see? I see a magazine or book page with pictures and text about various places. Moi, je kiffe. Et Meta, give me the answer in French. Et la rapidité, les amis. Le magazine présente des lieux touristiques, notamment un jardin botanique et une halle de marché. Il y a également des palaces et villas historiques à visiter. Les photos montrent la beauté de ces endroits. Le texte fournit des informations sur l'histoire et les caractéristiques de chaque lieu. Tout simplement impressionnant. Regardez, je vais ici me retourner, je vais prendre en photo mes écrans. Hey Meta, what you see? I see a workspace with two computer monitors, a microphone, hey Meta, and very... Give me the answer in French. Je vois un espace de travail avec deux écrans d'ordinateur, un microphone et divers autres objets. Hey Meta, what is weather in Paris tomorrow? In Paris, tomorrow will hey be Meta? Mostly... Give me the answer in French. Demain, à Paris, il fera majoritairement ensoleillé, avec une température maximale de 28 et minimale de 18 degrés Celsius.
Vous imaginez de pouvoir en fait prendre des photos, prendre des vidéos, demander des questions sur la météo, demander des questions sur votre environnement et tout ceci sur votre nez, tout ceci avec votre iPhone au fond de votre poche. Vous partez dans un musée, vous partez par exemple à la montagne et vous voulez savoir ce qui vous entoure. Eh bien, je pense que les Ray-Ban Meta Eye sont vraiment l'outil idéal pour faire ce que vous voulez faire. On peut vraiment se faire décrire des bouquins, lire le journal, écouter la musique, passer des appels, c'est vraiment extraordinaire. Imaginez ici, je vais prendre l'arrière-plan de ce bouquin. Hey Meta, what you see? Voilà ce que je vois, soi-disant. I see a brochure or book with an image of the Hey Meta, ocean and. Give me the answer in French. Le brochure ou le livre a une image de l'océan et du ciel sur sa couverture. Il est probablement lié à la Riviera Merveille, un endroit connu pour ses paysages naturels exceptionnels. La phrase aux des l'herveille les en habite dans un air séant ciel suggère que ce lieu est habité par des êtres mystérieux ou mythiques. Le nom Menton Riviera Merveille indique qu'il s'agit d'un guide touristique ou d'une publication promotionnelle pour cette région. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ces Ray-Ban qui en plus ont un design plus que magnifique, très grande marque depuis des années. Ils se sont associés avec Meta pour mettre en place cette toute nouvelle paire de lunettes intelligentes pour les personnes aveugles et malvoyantes. Mais en fait, à l'origine, ce n'était pas du tout pensé pour ça. Mais sur Vision High-Tech, j'ai pensé bon de vous partager cette astuce. Dites-moi en commentaire si ce genre de lunettes de soleil pourrait vous plaire. Son prix, 329 euros, c'était pas si cher que ça pour le service qu'elles vont nous rendre. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Pensez bien, partagez et on se dit à très bientôt pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision High Tech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous!